Accessible par le train, l'autoroute ou l'avion, Luz Saint-Sauveur accueille chaque année plus d'un million de visiteurs. 30 minutes pour rejoindre la gare TGV de Lourdes, 1 heure pour Tarbes et 1h15 pour l'aéroport de Pau. Pour profiter de la montagne, les visiteurs n'ont que l'embarras du choix, été comme hiver. En quelques minutes, des navettes conduisent au domaine skiable de Luz Ardilaine. Se déployant entre 1680 et 2680 mètres, la station offre 60 km de pistes balisées, dont 5 km de parcours nordique. Deux télésièges à grande vitesse et une douzaine de télésièges et téléskis permettent d'accéder au sommet. L'enneigement, garanti par 90 canons à neige, permet de pratiquer toute la saison ski alpin, ski de fond, raquettes, luge. Tout est organisé pour contenter petits écrans. Snowpark animé et encadré, école de ski, jardin d'enfants, sentier piéton, restaurant d'altitude. En soirée, le visiteur se divertira dans les salles de spectacle, au cinéma, au bowling, au casino ou en discothèque. Les sommets restent enneigés jusqu'au cœur de l'été, quand Luz Saint-Sauveur devient une station de montagne, offrant aux estivants toute la gamme des loisirs verts. Marcher dans le parc national des Pyrénées, escalader les massifs, dévaler les sentiers de VTT, s'initier au canyoning, descendre le Gave de Pau en rafting, traverser en tyrolienne le pont Napoléon, chevaucher dans les grands espaces, survoler la vallée en parapente. Luz Saint-Sauveur, c'est aussi une station thermale réputée depuis plus d'un siècle pour son eau riche en soufre aux vertus thérapeutiques. Le centre de remise en forme, rénové récemment, permettra aux visiteurs de profiter des bienfaits des eaux pures de la montagne. Spa, jacuzzi, hammam, banquette chauffante, massage, été comme hiver, cet espace de bien-être et de détente agrémentera le séjour des vacanciers.